Il n'y a pas que ces adorables matous qui attendaient avec impatience l'ouverture de leur librairie et la sortie de ce 20e tome des aventures du chat avec un grand C. Bonjour Philippe Gallux, ça n'a pas dû être facile d'arriver à leur faire faire ce que vous arrivez à faire dans ce petit clip. Et non, on dit que c'est faire tourner des enfants ou des chats, ce sont les pires choses qu'on puisse faire avec une caméra. Et donc ils ne font jamais ce qu'on leur demande. On leur demande de passer simplement de gauche à droite, ils s'arrêtent, ils se laissent derrière, ils repartent dans l'autre sens. On a mis 2 jours et demi pour faire ces 30 secondes. Elles sont, en tout cas, c'est super mignon. Évidemment, ça donne très envie de découvrir ce 20e tome dans des aventures du chat. Vous auriez peut-être préféré que nous vous invitions un dimanche pour échapper à cette corvée du Scrabble que vous racontez et dessinez dans l'un des albums de ce coffret, parce qu'en effet, il y en a 3. Le chat le dit. D'ailleurs, il se coupe en 4 parce qu'il y a aussi une petite gazette pour nous faire rire. Il y a donc les dessins du chat, on va en parler, Préchi Précha, et puis ce Scrabble du dimanche, dans lequel votre matou, d'ailleurs, ne pose pas un coussinet. C'est cet album que je faisais référence. On y voit un dessinateur. Il lui ressemble étrangement, qui subit une épreuve, mais alors abominable. Oui, c'est ça. Je voulais raconter la part la plus noire de mon existence. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je suis un dessinateur heureux, je crée, je peins, je sculpte. Et puis le samedi et le dimanche, je suis chez moi et ma femme est là avec la boîte de Scrabble en disant « Tu travailles tellement toute la semaine, détends-toi. Tu me dois bien ça, détends-toi, détends-toi, pense un peu à toi. » Et donc, elle est passionnée par le Scrabble, elle est très bonne, elle me pile régulièrement. Et moi, voilà, parce que je l'aime, parce que je la trouve belle quand elle joue Scrabble, je la dessine et je joue. Vous êtes aussi un peu un chat noir parce que vous ne tirez pas du tout les bonnes lettres. Non, alors régulièrement, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Est-ce parce que j'ai publié il y a 2 ans la Bible selon le chat que je me retrouve puni là par une volonté divine? Mais en tout cas, je tire des lettres de... comme on ne peut pas dire. Donc ça, c'est un ouvrage qui est dédié à votre femme. On parle beaucoup de famille puisque ce chat fait des petits. On va parler donc des dessins du chat. Ce sont ses réflexions dont on a l'habitude, ses oreilles qu'il tend vers les problèmes de notre société, les sujets d'actualité. Alors vous les illustrez parfois de façon féroce. On va en voir quelques-uns. Voilà, cigarette russe, fumée, tue. Oui. Ça va un peu loin. Est-ce qu'on ne commence pas à exagérer un peu voilà, sur les cigarettes russes? Même si on a des problèmes commerciaux avec la Russie, je sais. Mais on va trop loin dans beaucoup de domaines, bien sûr. Il y a d'autres exemples, évidemment, au hasard. La religion. La semaine prochaine, nous aurons conquis tout ce qui s'étend de là à là. Voilà le dessin. Je ne vois pas bien, j'ai mis ma burqa à l'envers. Oui. Ça reste léger. Oui. C'est un dessin qui est sur un sujet évidemment éminemment lourd, mais que j'ai réussi à rendre un petit peu théâtre de boulevard. J'aime bien prendre les choses à contre-pied, c'est-à-dire traiter des sujets graves avec légèreté ou parfois des sujets légers avec gravité. Le chat essaye d'être là où on ne l'attend pas. Quand on l'attend poète, il est carrément vulgaire. Quand on l'attend profond, il est crétin. Et quand on pense qu'il va dire une idiotie, il... lâche un proverbe d'une grande profondeur. Qu'est-ce qui fait que ce chat, il a le droit de prendre ce contre-pied? Parce qu'il est un chat. Parce qu'il est un chat. Parce qu'il est un animal. Parce que, comme dans les fables de La Fontaine, ce sont des animaux qui représentent les grands de ce monde. Il n'aurait pas pu raconter les mêmes histoires en nommant les personnes de la cour. Le chat, lui, c'est un animal. Et en plus, il n'existe pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On ne peut rien faire contre lui. On a choisi 2 autres dessins puisqu'on parlait de religion. Si Mahomet avait un frère jumeau, lui au moins, on aurait le droit de le représenter sans se faire engueuler. Ouais. Dessin qu'on va peut-être voir. Et puis un autre encore, où on voit donc, un homme couché à côté de sa femme qui porte une ceinture d'explosifs. Elle lui demande à quelle heure je mets le réveil. Oui, et là, il tire un petit peu, une drôle de tête. Il hésite. Ce chat, il mêle, c'est ce que vous disiez, intelligence, parfois imbécilité, qu'elle soit féline ou humaine. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'il nous ressemble ou est-ce que nous lui ressemblons? On ne sait pas. Je veux dire, il n'y a pas d'anthropomorphisme, sauf que lui est plutôt, je crois, une personne
qu'un animal, c'est-à-dire que je n'en ai pas fait un petit chacha à son pépère. Il y a d'autres personnages de bande dessinée qui sont formidables sur le même sujet, des chats, des chiens, mais lui, il est, je pense, véritablement un être humain avec un masque de chat, ce qui l'exonère de toute responsabilité dans ses propos, mais qui lui permet de taper sur tout ce qui bouge. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de dessins sur la religion. On est dans une période où on dit que ça, il faut faire attention, etc. Non, moi j'y vais parce que je l'ai toujours fait, parce que j'ai l'impression, à travers ces dessins, de ne blesser personne, d'honnête ou de démocrate. J'essaye de viser les intégristes, les dingues, les fous, les dangereux, mais pas les braves gens. Daniel Nanay, il y a une constante avec vous, c'est qu'on rit et on continue de rire en découvrant ces dessins. Est-ce qu'on arrive à se renouveler avec ce rythme assez effréné que vous avez, cultiver votre univers et en même temps ne pas décevoir le lecteur? Écoutez, c'est ma plus grande angoisse, c'est de décevoir les lecteurs. Là, les réactions sont formidables sur le coffret et sur ces trois albums. Tout le monde me dit « Waouh, t'as jamais été aussi en forme !» Et ça fait 32 ans que j'ai fait naître le chat. Donc c'est juste un miracle de continuer à être inspiré. C'est beaucoup de travail aussi, mais dans ce domaine, le travail ne servira à rien si l'inspiration n'était pas là. Et donc, je continue à m'amuser à inventer ce chat tous les jours, à rire en voyant sa bouille d'ahuri, et à continuer à avoir des idées qui me surprennent d'abord et qui donc surprendront mes lecteurs. Oui, parce qu'il y a les réflexions sur l'actualité, ça évidemment, ça vous nourrit au quotidien. Et puis, il y a aussi un peu ce chat qui est le roi du bon sens. Quoi. On le retrouve dans Préchi Préchat avec quelques dessins. Si tu veux empêcher quelqu'un de parler, mets-lui un baillon. S'il s'agit d'un muet, fais-lui porter des moufles. Pardon, moi, ça me fait rire. Mais oui, pour le langage gestuel, c'est avec des moufles, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr qu'on se l'imagine. Oui, quoi. Voilà. Vraiment. Voilà. Et puis il y a, ce n'est pas le buraliste qui donne le cancer, il le vend. Oui, c'est dur ça. Ouais, c'est pardon à tous les buralistes qui nous regardent. Mais ils sont en colère en plus en ce moment. Oui. Mais enfin, en même temps, oui, c'est ça. Je voyais en arrivant ici les gens dans leur voiture diesel. Il faudrait mettre aussi que roulais-tu à plus d'un sens. Il y a une très belle pensée du chat qui dit si tu roules trop vite, tu es plus dangereux, mais moins longtemps. Exactement. Il est aussi toujours un peu scato quand même, ce chat. Ça fait partie de ses particularités. Est-ce que c'est aussi une attente de votre public de le retrouver dans ce rôle du chat qui dit, il paraît que l'inventeur de l'anus artificiel était lui-même un peu focus? Oui, alors ça c'est un témoignage que j'ai reçu. On ose à 8h51 sur LCI reprendre ses pensées du chat. Oui, alors je me suis toujours dit qu'un zeste de vulgarité ou de scatologie pouvait relever le plat dans le comme un tour de moulin à poivre. On n'aurait pas l'idée de manger 200 grammes de poivre, non. Mais quelques tours de moulin sur un steak, ça en relève la saveur. Mais du coup, ça cible un peu votre public? Ah, je crois pas. Je crois non, que c'est pas, vous savez, même les personnes les plus sérieuses, les plus cultivées, les plus importantes, dans le privé, c'est-à-dire dans le moment où ils sont en train de lire, se marrent en voyant des trucs vulgaires. Ils peuvent pas le dire publiquement, mais non. Je crois qu'en leur fort intérieur, ils adorent ça comme tout le monde. Parlons des projets du chat, il s'arrête jamais, notamment celui que vous annoncez dans cette gazette qui est... Elle est là. Ici, dans le coffret, un musée à Bruxelles, ça c'est une vraie info? Oui, c'est pas une invention. Oui, parce qu'on se demande. Hein. Oui, voilà, comme je suis toujours entre les deux. Alors, c'est une chose absolument miraculeuse, c'est que le pouvoir public, c'est Rudy Vervoort, le président de la région Bruxelles, le capital, m'a attribué un lieu qui est un bâtiment en plein cœur du quartier des musées à Bruxelles, à côté du Palais Royal et du musée Magritte. Et donc, c'est un bâtiment qui est malheureusement en très mauvais état, qui va devoir être restructuré. Et que le chat va retaper. Et donc, y installer un musée qui devrait s'ouvrir en 2019. Avec plusieurs thématiques. Il y aura une expo permanente, 14 000 de vos planches, une expo évolutive et une autre expo qui mettra à l'honneur d'autres dessinateurs. Bien sûr, je voudrais que ce lieu soit réservé au dessin d'humour au sens large, pas à la bande dessinée parce que le musée existe, au dessin d'humour. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier. Évidemment, tous les gens de Harakiri, de Charlie Hebdo, les ciné, Sampé, Topor, que sais-je encore, Chaval, Steinberg. Je voudrais que ce soit un musée qui devienne international, que les touristes aient envie de visiter. Et je voudrais aussi créer une collection d'œuvres dans lesquelles sont représentés le chat, l'animal, le chat, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à la bande dessinée. Donc ce sera un musée très, très éclectique. Avec une place aussi pour les enfants, des ateliers, les amener aussi à travailler cette matière qui vous amuse beaucoup. L'humour. Voilà, et auquel je pense qu'il faut les éduquer, et surtout au second degré. Le second degré
nous est acquis, c'est quelque chose qui nous semble naturel chez nous. Je pense qu'il n'est pas partagé partout dans le monde, et en tout cas, selon les époques, il faut le défendre comme la liberté d'expression et comme la liberté, tout simplement, qui est fragile partout où elle existe. Second degré parfois remise en cause, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Gueluc, d'être venu ce matin sur LCI avec ce coffret, donc, Le chat fait des petits, trois petits chats, petit par la taille et grand par le rire. Merci infiniment et très bonne journée à vous. Une bonne dose d'humour dans notre café du matin.